Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on est déjà au mois de mars, les jours rallongent. Pendant 15 jours, on a eu un avant-goût de printemps et même parfois d'été. Les mimosas sont en fleurs, c'est le moment de penser à affiner sa silhouette, à perdre quelques kilos accumulés pendant l'hiver. Je vais vous parler d'une plante qui va pouvoir vous aider et à la fin de cette vidéo, vous aurez un atout minceur supplémentaire pour ce printemps et cet été. Et en plus, à la fin également de la vidéo, eh bien, je vous parlerai d'un nouveau service gratuit que je mets en place. Ça s'appelle la lettre privée de santé naturelle. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Perdre un petit peu de poids avant l'été, c'est souvent nécessaire. L'hiver, on a accumulé quelques kilos, des bourrelets superflus aussi, c'est normal. Pendant la saison fraîche, le corps a tendance à plus stocker les graisses. Il fait un genre de barrière pour le froid, donc il s'enrobe. Si vous voulez, il se calfeutre. Mais le problème, c'est qu'au sortir de l'hiver, quand on se regarde dans la glace, eh bien, on a envie que cet enrobage disparaisse, et ça, c'est bien normal. La perte de poids, c'est aussi parfois nécessaire parce que le corps le demande. Je veux dire par là qu'on se sent parfois un peu plus lourd, qu'on a l'impression que les vêtements de l'an dernier sont plus serrés, qu'on a plus de difficultés à rentrer dedans ou que certaines tâches de la vie courante sont plus compliquées. Et ça, ça peut être dû à un problème de surpoids, même léger. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Francis, je suis réflexologue certifié en nutrition et praticien de thérapie naturelle. Pendant des années, dans mon cabinet, j'ai aidé de nombreuses personnes à se sentir mieux, à atténuer les douleurs, à perdre du poids, à se relaxer. J'ai aidé leur corps à mieux fonctionner au quotidien en adoptant un mode de vie plus sain grâce aux médecines douces. Et à travers ma chaîne YouTube, je partage avec vous toutes mes connaissances et toute mon expérience. La plante dont je vais vous parler maintenant, c'est une algue. Et cette algue, elle s'appelle le fucus. On appelle ça aussi le varech chez nous. Ici, près de la mer, il suffit de se promener sur la plage pour en trouver. Et il suffit de se baisser. Et c'est la mer qui le ramène sur la plage. Alors ce fucus, c'est vraiment une plante miracle. Et ça va vraiment être un allié minceur. Parce que d'une part, elle va vous permettre d'être rassasié plus vite. Et d'autre part, elle va booster votre métabolisme pour vous faire mieux éliminer les graisses et dépenser vos calories superflues. Je vais vous montrer comment trouver cette plante. Je vais vous dire à quel moment de la journée on peut la prendre. Et enfin, je vais vous donner plein d'indications pour vous aider. Vous savez que l'une des causes de surpoids, c'est que l'on a tendance à manger trop, à se resservir. Et ce n'est pas toujours facile de résister, surtout quand la nourriture est appétissante, on a envie de se resservir, c'est tout à fait normal. Bon, il y a des trucs pour ça, par exemple de se servir à la cuisine et d'amener son assiette à table, car comme ça le plat n'est pas sur la table et on n'est pas tenté d'en reprendre une fois que l'assiette est finie. Ou un autre truc que vous connaissez peut-être, qui est de se servir dans une petite assiette, comme ça on a l'impression tout de suite d'avoir plus à manger. Mais bon, rien ne vaut quand même le fait d'avoir quelque chose qui permet de limiter son appétit et c'est là que le fucus va vous aider. En effet, cette algue a la propriété, une fois qu'elle est arrivée dans l'estomac, de gonfler, de prendre plusieurs fois son volume et donc votre estomac va être rempli plus vite et de ce fait, vous aurez moins faim. Ça va vous aider si vous avez l'habitude de manger un peu trop, si vous êtes gourmand ou gourmande, si vous avez l'habitude de vous resservir. Vous savez, quand un plat est presque vide, instinctivement, on a tendance à le vider. C'est presque inconscient, peut-être que ça fait plus propre sur la table. Et pour son assiette, c'est pareil. On a tendance à la finir parce que c'est plus propre ou peut-être parce que ça fait mieux éduquer. Et ça, même quand on n'a plus faim. Alors, le plat dans lequel il reste quelque chose, pour votre ligne, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le finisse. Et le fait de prendre un peu de fucus, ça va grandement vous aider. La deuxième chose très importante à propos du fucus, c'est qu'il booste le métabolisme, c'est-à-dire qu'il va vous aider à brûler plus vite les calories. Vous savez que c'est une algue marine et que dans la mer, il y a bien sûr de l'eau, du sel, mais aussi de l'iode. Et l'iode, c'est un booster de la thyroïde, cette glande qu'on a ici dans le cou.
Cette glande, c'est en quelque sorte le régulateur du corps. C'est elle qui régule la température, le métabolisme, d'où les problèmes d'hypo ou d'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, ça peut se manifester par un excès de chaleur, d'activité, de tension, des insomnies ou du stress, par exemple. Alors que l'hypothyroïdie, eh bien, c'est quand le corps tourne au ralenti, donc on a souvent froid et on est fatigué. Donc, le fait de prendre du fucus par l'iode qu'elle contient, ça va booster la thyroïde qui va fonctionner plus vite, le corps va chauffer plus et mieux éliminer les calories. Bien entendu, il y a des précautions à prendre. La première, c'est de ne pas en prendre quand vous avez des problèmes de thyroïde. Ça, c'est évident. C'est pas un régulateur de la thyroïde. De même que si vous avez eu une ablation de la thyroïde et que vous êtes supplémenté en lévothyrox, c'est contre-indiqué. Ensuite, évidemment, si vous êtes enceinte, par principe de précaution, c'est contre-indiqué aussi. D'ailleurs, dans ce cas, tout ce qui fait mincir n'est pas du tout conseillé. Enfin, il faut savoir que c'est une plante qui fait du bien à tout le corps, puisqu'elle contient des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, et qu'elle améliore les défenses immunitaire et qu'elle a des propriétés aussi anti-inflammatoires, diurétiques, laxatives. C'est donc efficace contre la constipation. Ça va aider aussi à combattre la fatigue en stimulant la thyroïde. Donc c'est tout à fait complet. Le fucus, ça se trouve en général en gélules, comme beaucoup de compléments alimentaires. La plupart du temps, le nombre de gélules par jour est indiqué. En général, il ne faut pas dépasser 250 mg par jour. Si on veut un effet coupe-faim, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ça peut être intéressant de le prendre un peu avant les repas, disons une demi-heure, avec un grand verre d'eau. Comme ça, ça aura le temps de gonfler un peu dans l'estomac et vous allez beaucoup moins vous jeter sur la nourriture, vous aurez beaucoup moins faim au début du repas. Bien entendu, le mieux est quand même de vous adresser à votre naturopathe ou à votre médecin, car vous le savez, les plantes médicinales sont très actives et peuvent être contre-indiquées pour certaines personnes. Et bien entendu aussi, pour mincir durablement, eh bien, le fucus ne sera qu'un allié parmi l'autre. Et c'est conseillé d'avoir une activité physique, même modérée, un peu de marche, monter de temps en temps l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, faire peut-être un peu de vélo par exemple. Je vais vous parler maintenant de ma lettre privée gratuite, le complément indispensable de mes vidéos. Ça fait déjà 2 ans que je publie des vidéos sur la santé naturelle, les thérapies alternatives, la minceur, le bio, la beauté naturelle, la médecine douce, bref, tout ce qui peut nous aider à nous sentir mieux dans notre corps jour après jour. Mais vous savez, ces vidéos, ce n'est qu'une petite partie de tout ce que je peux vous apporter, la face émergée de l'iceberg en quelque sorte. Et j'ai envie maintenant de partager avec vous mes années de connaissances et d'expérience. Je vous propose donc de vous abonner à ma lettre privée de santé naturelle en cliquant sur le lien au début de la description de cette vidéo, juste en dessous, et en me laissant votre adresse mail. C'est une lettre confidentielle et gratuite qui n'est disponible que par abonnement. Vous pourrez bien sûr vous désinscrire à tout moment. Vous recevrez un email chaque jour avec plein d'astuces et de conseils de beauté, de santé, de bien-être. Et si vous aimez regarder mes vidéos, ce sera leur complément indispensable. Donc je vous invite vivement à vous inscrire, c'est le lien juste en dessous. Comme ça, je pourrai vous envoyer votre premier exemplaire de ma lettre privée. À très vite pour une prochaine vidéo de santé naturelle ou dans un prochain mail. Bye bye.